C'est OP grave zappé. Bah là mine de rien mon Z fait 280 points de dégâts. Voilà parfait. Oh, putain attends mais là no joke c'est pas du troll hein. Genre là no joke c'est pas dégueu hein. Vous avez vu le poc que je mets? C'est débile. C'est OP. Ah c'est pas OP, calmez-vous, ça va. C'est pas OP, ça reste un big fun. En fait je suis un Xerath petit prix genre. C'est terrible hein. Oh midlife. Je l'ai ruiné gros. 650 j'ai mis. Salut YouTube, bienvenue en faire 4. La soirée dédicace à tous les frérots qui sont sur le live. On est plus de 700 sur le stream. C'est mon record personnel. Donc voilà, je suis plutôt fier de ce qu'on a accompli. Voilà, donc 700 personnes pour voir du faire 4, pour voir du beau jeu. Nous allons jouer Graves AP support. Pourquoi AP support? Parce que c'est de la merde et qu'on va jouer un pic de merde. Bien sûr, vous le savez, en faire 4, on joue de la merde et on rigole. On est là pour voir un petit peu ce qui se passe dans le chat, les plays, tout ça. Hein. Enfin, les plays. Plays qu'on va voir. Et voilà, tout simplement. On va essayer de voir tout ça. On est avec Franco hein, qui joue son Ezreal attaque soutenue. D'ailleurs, on va voir un peu les runes là, voir s'il n'y a pas des trucs originaux là. Un fils comète, ça c'est original. Quand même, un fils comète. Kai'Sa des juges de l'âme, ça se fait maintenant. Ezreal d'attaque soutenue, il me semble que c'est original aussi. Là, ça va, hein. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est. C'est une Shyvana AD, j'espère. Sinon, c'est le go AP avec Conquérant, c'est un peu affaiblissant. Trash After Shock. Ouais. Tout ce qu'il y a de plus basique, quoi. Grave Sup. Yes. It's OP. Look, last patch. The Smoke is 150% AP ratio. I can one shot with smoke. Alors là, smoke, fais voir. 75 points de dégâts. En plus, y'a pas un lourd CD, hein. Je peux mettre du 75 points de dégâts toutes les 25 secondes. En vrai, ça passe, hein. Ezreal Grave is good sup. Il m'encourage, j'y crois pas. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon, le Darius. Il encourage, vous avez vu. Lui veut gagner. Ezreal Grave is good sup. S'il savait le pauvre que j'allais max le Z et partir full AP, dirais pas ça. Oh, il est trop mignon, le Darius, gros. Il encourage. Et hop là. Oh, les gros dégâts, hein. Oh putain, les dégâts. Allez, j'attends 20 secondes et je refais la même. Quel bon Darius, quoi. C'est affaiblissant. J'ai que dalle de dégâts. Et hop. En plus ça coûte cher en mana, 70 quoi. C'est vraiment de la merde en tout point gros. Oh pas mal Ezreal. Clean. Le ZQ instant là. Smoke. Nice. On gagne le trade frère. C'est une honte. Comment on peut gagner ce trade? J'ai mis 20 dégâts. Après j'ai pensé à l'Ignite aussi. T'as tout le monde qui gagne là? Allez Darius est trop fort, c'est obligé mec. C'est un good guy, il est trop fort lui. Dark Harvest. C'est important d'avoir beaucoup de Dark Harvest les gars, c'est notre seule source de dégâts. Oh 130 points de dégâts là. Prendre le CD il est trop long hein. 22 secondes de cooldown. Oh là là les gars. Je pourrais jamais taper, c'est terrible. Je pourrais jamais taper les gars, c'est terrible. C'est trop long le cooldown. Non, un peu les dégâts là. Testons un peu ça là. Et pouf. Au moins je peux pas rater quoi. C'est une large zone. Dans le Nashor. Ah dans le Nashor ça peut se faire ouais. Je pensais à Luden. Pour avoir 20% de CDR et avoir genre le proc Luden. Ça peut être intéressant je pense Luden. Oh merde. Moi. Je vais te la caisse à moi. J'ai failli la buter quoi. Elle a pensé au heal, elle a bien joué. Ah merde. Je suis mort gros. Vas-y go Luden. Donc là mon Z fait 150 points de dégâts. Et en vrai ça va 150 points de dégâts. C'est genre quoi? C'est un Q de Xerath niveau 3. Sauf que lui il a genre 10 secondes de cooldown, moi j'en ai 22. C'est un peu comme un Xerath en vraiment nul à chier quoi. C'est un Xerath à chier. Ou alors un Xerath mais genre RATE tu vois à la fin. Genre vraiment un Xerath quoi, genre c'est un truc qui sert à rien quoi. Wow Nico XD. Qu'est-ce qu'il y a eu avec Nico? Ah oui il a 10 HP genre. Nico qui a un bon farming, 7 CS contre un melee avec un distance. Connaissance des matchups c'est important à faire. Hein. Hop là. Oh le Ezreal, mais il régale. Il régale le Ezreal. Bon vu qu'il a pas tué, petite taxe quand même. Hein. C'est important. C'est un peu comme ça, sauf que ça n'a aucun rapport avec une qualité. Ah si, je suis un champion qui poke. Je suis un support AP qui poke. Ça a du rapport avec Xerath. Juste que ça n'a pas le potentiel de Xerath, c'est tout. Je vais tenter de voir ce que ça donne un petit roaming avec Grave support AP. Parce que je peux même pas invade le jungle, gros. Genre, comment j'invade le jungle là? Avec 120 points de dégâts. Oh putain, ils sont pas prêts là. On appelle ça la buissonnade de smoke. Vous allez voir, hein. Vous avez jamais vu ça dans l'esport. Vous avez jamais vu ça, le chat. Regardez, hein. Smoke. Auto-attaque. Et je me casse. Oh là 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 là. Comment mettre 200 points de dégâts gratuitement? Eh ouais. Oh, bien tenté le grab. Vous n'avez jamais vu ça dans l'esport. Me sortez pas, ouais, Faker l'a déjà fait. Non. Faker n'a jamais fait ça. Faker n'est jamais là en faire 4, il n'a jamais fait ça. Regardez ça. Paf. Attends, mais elle peut rien faire, hein. Elle a zéro counterplay, hein. Elle n'a zéro counterplay, en fait, hein. Technique de écho. Le problème, c'est que c'est moi le mec dans le bush, donc ça marche pas. Oh. Nice. J'ai réussi à faire les dégâts, c'est cool. En vrai, j'ai fait un peu de dégâts quand même. Vous imaginez, j'arrive à carry. C'est pas possible. Impossible que je carry avec ça, genre. C'est vraiment trop dur de carry avec ça. Ok, donc là, la smoke tape combien? 220 points de dégâts. Vous savez que quand vous jouez Graves full AP, votre R prend un ratio AP en fait, parce que vous prenez de l'AP. C'est le passif caché du. C'est un passif caché. Dans LoL, vous avez des passifs cachés sur certains persos. En gros, là, mon R fait plus des dégâts physiques, mais des dégâts magiques. Parce que j'ai maxé le Z et que je suis Graves Smoke. Je fais un roleplay de Graves Smoke, donc forcément, il me donne un passif caché. Donc c'est quand même intéressant, quoi. On a de quoi faire le taf. On n'a pas que le Z, on a aussi le R qui va faire des dégâts magiques. Oh. Paf.
Oh, allez, mon pote, mange ton trade. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, la vérité. J'ai l'air de mentir ou quoi, là? Est-ce que j'ai vraiment l'air de mentir, là? Si vous pensez que je mens, franchement, c'est pas cool, hein. Regardez. En vrai, le POC est pas dégueu, hein. Dark Harvest. Nice. Le POC est vraiment pas dégueu, hein. Vous savez que là, elle sait pas comment faire. Elle se dit, c'est broken, il fait trop de dégâts avec la smoke, Graves. En plus, il est broken avec ses auto-attaques. Ça me fume. Eh ben oui, ça me fume. Forcément. C'est une smoke. C'est sûr que ça me fume, gros. Attendez, je peux faire le combo smoke plus air, là. On est d'accord, hein. Je peux faire le combo ultime de Grave Zappé. Regardez. Regardez, hein. Regardez ça. Regardez, vous êtes prêts? J'ai pas touché, gros. Quel gros. Ah. Ah. Ouh, ça passe. J'ai pas touché mon air sur la Kai'Sa. Je vais la tuer avec une smoke. Vous êtes prêts pour le moment affaiblissant ou pas? Mon dieu, que je m'aime des fois. C'est le Grave Smoke, les amis. On a un gameplay de fou là. On a un gameplay de fou. Ye gank me, no now. Attends, tu veux être gank ou pas? Ah, no now, ça veut dire not now. Ok, d'accord. Il a oublié un T. Bah, c'est sûr qu'il fallait gank maintenant. Il a un free kill. Pourquoi tu dis non? Oh là là, le Q pendant le flash, magnifique. Vous savez quoi? J'attends 70 gold à la base. Rien à foutre. Darius fait péter le cul. Ah ouais, le good guy Darius fait péter le cul? Oh, bien joué l'esquive. Après, faut se barrer, Ezreal, quand même. T'as un flash? T'as un flash? Non, pas de flash? Ah, pourquoi flash quand on ne peut pas flash en fait? C'est OP Grave Zappé. Bah là, mine de rien, mon Z fait 280 points de dégâts et Dark Harvest 90. Donc j'ai quand même 300 points de dégâts sur le Z si le mec est mid-life quoi. Allez, c'est bon, on a les gold. Donc là, j'ai 20%, 25% de CDR, donc j'ai 15 secondes de cooldown sur la smoke. Enfin, sur la smoke, ouais. Donc j'aurai 10 secondes en fait. J'aurai 10 secondes avec 45%. Bon, en vrai, ça va, 10 secondes, ça passe. Oh, ça va être insane. Oh, ça va être insane. Attends, mais le fils il est en 4-0. Ok, ok. Attendez, j'ai Luden là. J'ai Luden là aussi. Hein. C'est mon moment. C'est mon moment. This is my moment. Je fais mal en vrai là. Je suis mort gros. Ça fait, en vrai ça fait pas trop. Ça fait des dégâts en vrai. Fais pas la belle, Kai'Sa, fais pas la belle avec moi, je te le dis moi. Fais pas la belle, je te dis. Paf. T'imagines genre. Est-ce que t'imagines sa réaction? Elle comprend pas ce qui se passe là. Elle se dit putain mais la smoke ça fait pas autant de dégâts sur Graves. C'est pas connu pour la smoke Graves. Et si frérot, Graves rework. Ah. Bah oui, j'ai pris un bouclier. Sorry. Putain de merde. Il a mis un bouc ce bâtard, j'aurais dû flash out. J'ai pas vu. Je croyais que la smoke faisait pas de dégâts. Bah de base elle en fait pas tu vois, mais là elle en fait un peu quoi. Il suffit juste de savoir faire un petit build et des runes adaptées. Oh là là, oh là là, le Ezreal il régale. Il régale le Ezreal. Ouais, régale pas. Bon, l'avantage c'est que j'ai Dark Harvest pour le R, donc le trash on va le récupérer très vite. J'ai le Luden qui a proc. J'ai le Luden qui a proc sur le Z, je suis mort. Oh non, putain, elle a bien joué, elle a mis son R. En fait, je pensais la tuer avec mon Z. Elle a bien joué. En vrai, si elle avait pas R, elle était morte. J'allais la Z et auto-attaque, elle était morte. Putain, elle a un 6-2, elle a un shutdown et tout. Oh, attends, Kai'Sa, tu vas voir. Toi. Tu vas voir, Kai'Sa, tu vas voir, toi. You take all kills and me no damage. La typicale. On connaît ça, on connaît, frérot. On va essayer de POC. Le problème, c'est qu'ils ont quand même un Fizz en 4-0, qui a pas trop mal de CS en plus. Et Kai'Sa, mine de rien, ça va, hein. Elle se fait un peu avoir par mon POC, mais il faudrait la POC en fait, avant qu'ils engage. En gros, c'est ça le plan de jeu là. Voilà, parfait. Oh, putain, attends, mais là, no joke, c'est pas du troll, hein. Genre là, no joke, c'est pas dégueu, hein. Vous avez vu le POC que je mets? C'est débile. En fait, je peux pas louper, c'est ça qui est fort, en fait. Je peux pas louper, ça fait trop. C'est trop large la zone. Trop rapide, trop large. Ah, j'ai loupé la Kai'Sa. Putain, mais je suis mort, hein. C'est trop marrant, en vrai. C'est... Franchement, essayez, hein. Avec vos potes en normal game, no joke, c'est marrant. Elle est morte. Oh merde, je suis mort par la chimada. C'est OP. Ah, c'est pas OP, calmez-vous, ça va. C'est pas OP, ça reste un big fun. En vrai, c'est pas mal. Hein. Oh merde. Mais quoi? Pas les dégâts, je crois. Je l'ai R en plus, hein. Mon R il a fait genre 25 de dégâts, je crois. Mon R il a fait 25 de dégâts, je vous jure.
Attends, mais Shivana, elle est trop big, gros. 2-1-6, 120 CS. Qu'est-ce que c'est que ça, gros? Elle est trop big. Le fils aussi, il est trop big. Mais ils sont tous trop big, en fait. Attends, mais 1-3, 0-5, 3-4, 2-4. Bon, le problème, c'est que là, la game va pas durer longtemps parce que mes alliés se font absolument péter la gueule. C'est terrible. Dommage, j'ai envie de scale et de tester avec un Rabadon ce que ça peut donner, vous voyez. Mais là, c'est la game dure comme ça. Et en plus, le problème, c'est que je peux rien faire tout seul. J'ai absolument pas de dégâts pour duel le fils en 7-1. Ouais. J'attends 12 secondes et je lui refais la même. Ouais. Le problème, c'est l'attente de 12 secondes en fait qui est compliquée, vous voyez. C'est l'attente qui est dure. Nice, Dark Harvest. Non. Il a bien joué. Le bâtard. Il a bien joué. Il a utilisé son E pour tout esquiver. Oh, il a bien joué. Il est pas dégueu le fils en vrai. Hein. Je pense que je vais vendre la stopwatch et je vais faire un Rabadon direct, hein, je pense. On y va en fait, on a peur. Oh, 900 gold! Magnifique. Exactement ça qu'il me fallait. Oh non. Elle est trop forte, gros. Elle a esquivé ma fumigène, gros. Elle est trop forte, gros, la Kaïsa. On y va. Let's go. Allez, c'est maintenant. C'est magnifique, quoi. On fait des fights tellement épiques. Pas très épique, ça, les dégâts qu'il m'a mis avec un Q et un Z, là. Ça, c'était moins épique, ça, tu vois. Oh, merde. Mep. Pas dégueu, quand même, là. Ah, le Luden qui proc sur le Q, c'est bien, bien affaiblissant aussi. Ah, mais c'est perdu, gros, y'a tout le monde qui sert à rien. Non, moi je mets non, moi. C'est catastrophique, gros, ils savent tous à rien. 0-8 là, Nico. Ah oui, d'accord. Où est Kaïsa? Tricheuse! Tu triches, t'as ton bouclier broken. Elle triche. J'avais mis une belle smoke, hein. Ah, elle triche, la Kaïsa. Ils sont trop forts là en face là, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, gros, moi j'ai 6 Ruff Lordran et en face ils ont 6 Ruff Faker. Elle triche, elle a eu un bouclier de fou là. attends, ils sont pas dégueu en face quand même en vrai. Ça va être bug du trash. Ouais, bon, ouais, ok. You le burst. Le burst il est dans mon Z que tu as vu. J'ai tapé 500 et puis après j'avais plus rien. En vrai, s'ils finissent pas la game, y'a moyen qu'on puisse comeback, hein. Hop là. Il a dû prendre un peu de dégâts en vrai. Ah, voilà. En fait, je suis un Xerath petit prix, genre. C'est terrible, hein. De se dire qu'on est une version, une sous-version d'un champion, quoi. En vrai, il y avait du potentiel dans mon pick si mon mid se faisait pas autant défoncer. Et mon top aussi. Et mon jungle aussi. Et mon ADC aussi. Genre, il y a un potentiel quand toute ta team ne perd pas. Genre, le top, il fait un 2, quoi, legit. Ok. On va aller aider, quand même. Ça fait bizarre, là. Voilà. Oh. Dark Harvest. J'avais pas de Z. Oh là là, bien joué, Ezreal. Magnifique. Magnifique, ma chérie. Elle est trop bien, cette game, en fait. Elle est bien parce qu'elle est, tu vois, elle est ultra serrée. Non, elle est pas serrée, mais je veux dire, elle est épique, quoi. Non, t'arriveras pas. Il essaye à chaque fois de mettre le poisson, mais ça passe pas, j'ai un dash. Il a plus de dash. Arrêtez de le respecter, quand même. Voilà. Faut arrêter, quand même. Le mec, il a pas de dash, genre. Oh, putain, Darius. Là. T'embête pas. Ah, par contre, là, le Maokai, je viens de taper 150, je crois, avec mon Z dessus. Genre, mon sort qui fait le plus de dégâts, j'ai tapé 150. Pour vous dire à quel point je suis dans la merde, là. Je peux la carry, les gars. No dodge, je peux la carry, hein, vous allez voir. Hein. Je vais la carry. Je vais tout donner, les gars. Ce sera la game épique de faire 4 ce soir. Une game où il faut tout donner. En vrai, c'est la game dure, mais Troy, il va 1v9. Hein. Genre là, il est pas mal, en vrai. Il commence à avoir sa Ginzu et tout, là. Plus de CDR. Ah, parce que j'ai envie d'avoir des dégâts, là, en fait. En vrai, il faut qu'ils aillent au Drake, sinon ils ont l'âme du Drake infernal et c'est perdu, quoi. Pas ces dégâts dans la team. Ah ouais, là il me faut des patates là. Genre là j'ai 500 points de dégâts sur mon Z là, c'est pas dégueu. Je suis mort, gros. Imagine dans mon historique, genre y'a ça comme build. Oh putain, ils ont l'âme, là c'est bon. Y'a là avant. Bon, là par contre c'est lourd, je pense. En vrai, Nico elle a pas l'air trop mauvais. Je pense que c'est en lane, elle s'est fait juste défoncer et du coup il a perdu le focus, on va dire. Bah, ok, par contre il s'en fout, hein. Genre tout ce qu'il fait c'est taper les tours sans s'arrêter. Il fait ça depuis 20 minutes. Ça fait 20 minutes qu'il va au top et qu'il donne plein de kills. Il a pas compris, je crois, le but du jeu. Par contre, je serais chaud pour un petit fléau de liche en fait. CDR, move speed, petit dégât après le Z, je peux faire Z auto-attaque. Imaginez dans le futur, il y a une méta où Grave Zappé sera viable. Genre, il change un passif ou quoi, et du coup, le fait de faire de la paix dessus, ça le rend broken. Imaginez un peu comme je suis dans le turfu en fait. Je pense que j'ai genre 5 ans d'avance. Peut-être 3 ans d'avance, tu vois. Oh, midlife! Je l'ai ruiné, gros. 650, je l'ai mis. Malheureusement, c'est la fin. Parce que Darius, il va tout seul. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Ah oui. J'ai pas pu hotplay le fils là. J'ai pas réussi à hotplay.
Je n'ai pas réussi à outplay le Fizz, Gazaoui. Ah oui, c'est une belle game. En tout cas, franchement, en lane, j'ai tout donné, et en vrai, c'était pas si dégueu en lane. Dommage qu'en face, ils étaient un peu tous meilleurs. Pour le coup, en face, ils étaient bien meilleurs tous.